son frère Abel. Caïn a obéi de condamner Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, le col abasala qui n'a bilaka. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Caïn a mis poids qui n'a pas condamné Abel pour mourir. Nous acclamons cette parole. Pour prêter les paroles à vous. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 6, nous lisons le 34e verset. Nous lisons le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car la jalousie met un homme en fureur. Et il est sans pitié au jour de la vengeance. Nous acclamons cette parole. Dieu, donne à l'esprit d'interprétation. Tout pour ta gloire et pour ta gloire, nous avons ainsi Dieu en la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parlons de Dieu. Merci pour votre patience. Bien-aimé, le thème que vous proposons ce matin est intitulé La jalousie. La jalousie. Bien-aimé, c'est un phénomène qui existe dans les relations humaines. Tout le monde qui vous sourit, eh bien, le fait pas de bon cœur. Surtout s'il y a quelque chose de favorable de votre côté. Dans notre parcours, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où le Seigneur nous élève. Il y a des moments où le Seigneur nous bénit abondamment. Beaucoup de chrétiens ne sont pas contents du bonheur, du succès, des avantages qu'une personne reçoit de la part du Seigneur. Aussi longtemps qu'on est avec le Seigneur, eh bien, nous serons bénis. Et ces gens de personnes-là sont chiches en compliments. Ce sont des gens qui ont beaucoup de caractéristiques, qui veulent prendre la place des autres. Ils se considèrent comme valant mieux que les autres. Alléluia. Ils se considèrent comme étant supérieurs aux autres. Beaucoup de personnes autour des responsables viennent pour détruire les autres. Alléluia. Amen. Ben, ces personnes-là sont dans les colportages. Elles sont dans la médisance. Ces personnes sont dans les critiques. Ces personnes détruisent les autres. Bien-aimé, que le Seigneur veut que tout le monde puisse émerger. Mais ces gens font tout pour étouffer l'élévation. Bien-aimé, ce message vous est destiné. Nous qui avons été mangés quand les autres sont bénis. Nous
sourions par la bouche, mais nous sommes mécontents dans nos cœurs. Dans le premier texte que nous avons lu dans le livre de Genèse, Jacob a aimé son fils Joseph plus que tous les autres. C'est ce qui a provoqué la jalousie de ses frères. Bien aimé, c'est quoi la jalousie?